Alors j'ai fait mon nouveau spectacle parce que j'en avais un en premier, c'était complètement Marjo pendant 4 ans. Et là le nouveau s'appelle Marjorie Falusi en folie. Avant j'avais que des personnages et maintenant j'ai décidé de m'adresser directement au public, de parler directement avec le public. Et on m'a toujours dit que j'avais un grain de folie, alors j'ai voulu le partager avec le public. Donc voilà pourquoi en folie. Quand j'ai écrit ce spectacle avec mon co-auteur Yannick Scavone, j'étais en plein déménagement dans Paris. Et ça a été une grosse aventure en tant qu'intermittente du spectacle pour trouver un logement. Donc du coup, ça a commencé comme ça, le premier sketch sur se loger à Paris. Le spectacle raconte des choses de la vie de tous les jours, de la vie courante. Et je pense que si on regarde la vie d'un œil pétillant, on peut tout trouver drôle, tout est absurde. Je parle des gens qui habillent leurs chiens, qui humanisent leurs animaux domestiques. Je parle aussi des influenceurs, du bien-être, des vacances, des mythos, des radins, des ex. Je parle vraiment de sujets variés. Mais voilà, je tourne tout en dérision. Donc en fait, je parle de la vie, mais version Marjorie Falusi.